Hey, coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire une petite mise au point de ce qui a été fait pour la mise à jour gratuite de décembre 2020. Elle vient juste d'être faite, donc je vais la découvrir maintenant avec vous. Waouh, d'accord, donc déjà nous avons une nouvelle mise en page, une nouveauté directe comme ça. Ça, c'est un peu agressif, enfin disons ça change. C'est pas la première fois qu'ils changent comme ça le visuel d'entrée de jeu du jeu. Mais ça fait bizarre quand même. Le temps qu'on va se réhabituer, ça fait quand même bizarre. Donc ici, on a évidemment le dernier pack sorti, les défis Sparte. Nouveau look, forcément, voilà, du menu principal. Vous tenir au courant et jouer directement est plus facile que jamais. Brillant. Obtenez aussi actualité, mage, bien plus. Ça me rappelle quand même celui qu'on avait à une certaine époque, hein, qui est un peu vieux. Il date d'il y a peut-être 2 ou 3 ans, où on avait aussi le menu comme ça sur le côté. Et là, il y a eu la mise à jour. Du coup, on va cliquer là-dessus. On va aller voir ce qui est écrit sur le site. Ah, mais c'est pas sur le site, c'est carrément une petite. C'est carrément une vidéo en fait. On va regarder ça tout de suite. Alors, les fameuses nouvelles options de couleur de peau. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec les curseurs, d'accord. Des coiffures améliorées. Et aussi, voilà, au niveau du maquillage, on peut accentuer plus ou moins le maquillage. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on va tester ça après. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On va pouvoir découvrir ça. Donc, vous voyez qu'ici, on peut jouer. Normalement, c'est avec la dernière partie jouée, si je ne dis pas de bêtises. Ici, toujours la nouvelle partie et charger une de vos parties. Dans l'onglet accueil, nous avons ça. Dans l'onglet pack, c'est donc... D'accord, c'est tout ce qu'on a, en fait. Ça prend énormément de place, quand même, visuellement. On est sur quelque chose d'assez gros, quoi. C'est fini, les petites vignettes. Moi, j'aimais bien les petites vignettes, au final. Ça prenait moins de place. Après, vous pouvez classer par pack d'expansion, pack de jeu, kit d'objets, contenu gratuit. Très bien. L'accès à la galerie se fait donc ici. Voilà, vous avez donc la galerie. Et ici, les options du jeu. Nous voilà donc dans le menu créer un sim et on va aller voir tout de suite ce qui a été modifié. Aïe aïe aïe, on est retourné sur un mode de 2 colonnes. Ça me fait mal à moi, à mon cœur, parce que vous le savez que j'utilise le 4 colonnes et c'est tellement dingue et indispensable pour moi que le retour aux 2 colonnes me fait très très mal. On va regarder donc les coiffures en jeu de base et voir celles qui ont été modifiées. Donc celle-ci, c'est celle qu'on avait déjà modifiée dans une des dernières mises à jour. C'était pas donc en novembre, mais je crois que c'était en octobre, voire septembre. Je ne suis plus sûre du tout. On va aller plutôt voir du coup les couleurs de peau comme c'était voulu. Du coup, ici par exemple, elle a une couleur de peau chaude. Et on va la faire plus ou moins... forte, d'accord. Et si on prend celle-ci, on peut la faire. Là, c'est plus ou moins plus clair, et là, c'est vraiment beaucoup plus foncé. Ah oui, il y a quand même beaucoup de détails. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs de peau, parce que là, on a du chaud, on a du neutre. Écoutez, c'est vrai que les humains ont beaucoup de couleurs de peau. Je pensais peut-être pas autant. J'ai jamais fait attention, mais là, on dirait que c'est presque violet. Donc ça me fait, ça fait bizarre, mais c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est très joli. Ah, et puis alors bien sûr, on a le vert et on peut aussi accentuer ou pas le vert, c'est assez rigolo. On a la couleur de peau définie, comme celle-ci par exemple, et on peut l'avoir en éclairci ou en moins éclairci. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Concernant le maquillage, donc c'est aussi une des nouveautés. Bon, on va reprendre exactement ce qu'elle a par exemple. On va choisir vert. Ah oui, d'accord, on peut aussi modifier du coup la couleur. On va encore mettre encore plus de 10 ans pour fabriquer un Sims, moi je vous le dis tout de suite. Après, c'est peut-être ténu comme différence. Là, je les vois pas forcément. On va essayer quelque chose de bien pimpant. Là, ça devient orange-rouge. Ok. Pourquoi? D'accord. Ah, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas très très bien, j'ai l'impression. Ici, on a la couleur de base. Et il faut lâcher un petit peu de temps en temps pour voir les changements, sinon moi je les vois pas trop. Hein. D'accord, parce que moi j'avais poussé à l'extrême et ça change pas à l'extrême. Il faut lâcher de temps en temps, ok. Ici, c'est plus ou moins atténué, d'accord, plus ou moins fort. Ok, très bien, je vois. Ici, qu'est-ce que ça fait? Alors, on va le mettre en fort comme ça, je sais, je vois la différence. Ici, la petite goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle fait?
J'ai l'impression qu'elle rajoute de la lumière. Saturation, d'accord, ça, c'est la saturation. Et ici, l'intensité, tout simplement. D'accord, là, c'est vrai que c'est plus intense. Et ici, c'est un peu plus faible. Alors, est-ce que ça marche sur les eyeliners aussi dégueulasses que celui-là? Par exemple, on va le mettre en rouge. Déjà, on peut le changer de couleur. Nickel. On va le faire en jaune, là. On va faire une opacité finalement un peu discrète. Et on n'a pas la goutte d'eau et l'intensité. Donc c'est vrai que on pourra faire de l'opacité. Mais pas vraiment choisir si on le veut plus ou moins estomper. Donc c'est-à-dire que votre eyeliner, bah, vous pouvez quand même le réduire un peu légèrement, mais il faudra pas trop en faire. Effectivement, je viens de regarder encore une fois les coiffures du jeu de base. J'ai l'impression que celle-ci, elle fait un peu moins choucroute, un peu moins moche. Apparemment, ils en ont amélioré 3, mais c'est pas évident à voir tout de suite. Apparemment, il y a 2 coiffures enfants qui ont été modifiées et 3 coiffures adultes. Nous avons celle-ci avec les petits baby hair, comme on dit, et celle-ci sans les baby hair au choix. D'accord, donc c'est 2 coiffures ici que nous avons. Il me semble que cette coupe de cheveux a été modifiée également. C'est possible, parce que c'est une que je n'utilisais jamais. C'était la coupe afro. Ah non, c'était celle-ci. On peut donc voir ici le Twitter des Sims qui nous annonce la mise à jour avec une journée d'avance. Elle est enfin là, cette mise à jour. Donc c'est bien, ils ont travaillé plus vite que prévu. Donc on peut voir ici les changements avec les coupes de cheveux qui ont été améliorées, la coiffure adulte également, les sliders de maquillage et les sliders de peau. Et donc qui remercie aussi certains youtubeurs et créateurs de contenu Sims, Xmiramira et Bonnie, Miazaf, Rayoni Phillips et Catherine. Je ne connais pas du tout, à part Miramira, je ne connais aucun, pour avoir participé. Voilà, donc maintenant, chaque couleur de peau dispose désormais d'un curseur permettant de débloquer des milliers d'options. De plus, nous avons amélioré les couleurs de peau existantes comme les nouvelles, ainsi que la qualité des bronzages et des coups de soleil. Ça, c'est super, faudrait tester. Nouveau curseur de maquillage offre plus de choix et d'opportunités pour exprimer le style de votre Sims. Certains de ces curseurs sont bloqués pour une meilleure expérience de gameplay et nous continuerons de travailler pour vous permettre encore plus d'options, je l'espère. Nous avons également amélioré 3 coiffures du jeu de base. 2 coiffures pour enfants, la queue de cheval tressée avec cheveux de bébé et la queue de cheval tressée sans cheveux de bébé. Ainsi que la coupe en brosse. Et ce n'est que le début. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir notre nouveau menu principal. Celui-ci vous permettra tout simplement d'être au courant des dernières actualités Sims. Et voilà pour l'essentiel de cette mise à jour de décembre. J'espère que ces nouvelles couleurs de peau plairont à tout le monde et que tout le monde pourra donc s'y retrouver pour jouer aux Sims et que les maquillages, ça vous plaira également. Moi, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me suivre, à commenter, à liker et à partager la chaîne et la vidéo pour me soutenir. Des gros bisous. On se retrouve à une prochaine fois pour une prochaine actu ou autre chose sur ma chaîne. Ciao!